c'est vraiment vraiment gros, mais je pense que ça passe. Oh putain. Courage, force et honneur. Ouais. Alors salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez Penride. Du coup aujourd'hui on a spot et en gros je vous explique ce qu'on va faire. On va faire une nouvelle ligne. En gros avant on démarrait de là-haut. Alors je vous montre vite fait. On se mettait juste là et on démarrait de là. Bah simplement on s'est dit autant qu'on démarre depuis plus haut. Et du coup là maintenant on peut démarrer depuis là. Donc là maintenant on a beaucoup plus de speed. Alors tout là on va encore bien déblayer et bien faire un truc assez propre pour qu'on perde un moins de speed possible. On irait à gauche. On tire à gauche et en gros ici après donc on arriverait sur un nouveau saut. Et en gros on ferait ce saut et on atterrirait dans la récep un peu. On va faire un truc sur le côté. Alors il a déjà fait une chier de boulot, hein. Il a fait en fait tout le boulot quasiment. Il n'y a plus qu'à mettre de la terre. Donc ça va être un saut je pense assez technique. Assez gros quand même parce que quand même quasi 4 mètres de trou. Du coup voilà bah, on est parti pour quelques timelapses. D'accord, faisons comme ça. J'ai tapé où? Bon bah du coup les gars, là j'ai pas filmé mais en gros on a rechappé la récepte. Donc en gros je pense de long, elle doit faire quasiment pas 4 mètres, elle est vraiment large. En haut là putain il y a 6 mètres je pense de récepte, elle est vraiment vraiment longue. Alors elle est pas très pentue mais elle est vraiment vraiment large, on peut atterrir partout. Et bien sûr après on va rouler, on va quand même profiter de rouler aujourd'hui parce qu'il fait super beau. Bon du coup les gars, je vous montre vite fait. Donc on démarre depuis tout là-haut et on arrive là comme ça. C'est trop con. Et en gros donc on arrive là. Donc là c'est quand même assez long, hein. C'est un truc. Alors il est vraiment pas haut. Donc il est assez long. On passe par dessus. Donc là il y a quoi? Il y a pas honnêtement, il y a je pense 6 mètres quand même de trou. Donc elle est vraiment longue. Elle est pas pas très haute. Donc là j'ai fait deux fois. Je suis vraiment arrivé les deux fois pile dedans. Tac. Bon bah du coup les gars, on a terminé le kick. La récep, en fait on a tout terminé. On va le tester. C'est vraiment vraiment gros. Mais je pense que ça passe. Oh putain. Courage, force et honneur. Ouais. D'accord, faisons comme ça. Ça arrive. Là on a terminé le saut, il doit bien faire je pense 80 cm de haut. Donc je pense qu'on l'a bien remonté de 30 cm par rapport à la fois où je l'ai passé. Et je pense qu'il va vraiment nous envoyer loin. Donc sur le saut ici on a 5,5 m, 6 m de trou. Après bien sûr avec la récep qui est à 7-8 m. Donc en gros voilà ça fait un kick. Si on va juste du début du kick jusqu'à la fin de la récep, on a 10 m de saut. Donc c'est vraiment énervé mais c'est...
C'est super bon, ça, en tout cas ça a bien roulé la dernière fois.